Il est né à Münchenbuchsee il y a 62 ans. Sa vie tout entière est consacrée à la musique, avec une quinzaine d'albums publiés en plus de 40 ans de carrière. Il est aussi à l'aise sur scène avec des automates qu'avec des rejetis. Merci d'accueillir Stéphane Escher. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous vous sentez ce soir ? À la maison. Bah, vous avez déjà... Je ne parle pas de la télévision, bien entendu, de la salle. De la salle, ouais. Vous avez déjà joué ici ? Oui, j'ai déjà joué ici avec les automatons. Ouais, ouais. Et vous, ils ont rénové un peu. Oui, c'est un peu plus, ça sent plus la peinture fraîche. Est-ce que vous aviez cuisiné des rejetis quand vous étiez venu ? Pas ici, parce qu'il n'y a pas assez de bois. Mais ça, j'ai vu quelque part. Ouais, ouais. C'est vrai, vous avez cuisiné des rejetis sur scène. C'était un festival qui m'a demandé que je ne voulais pas faire. Je cherchais des excuses. C'est un festival francophone. J'ai dit, je chante tout en suisse allemand, d'accord. C'est tout en bois, c'est une très belle salle à bulles. J'ai dit, je vais faire une rejetis avec du feu au vert. Ils ont dit, d'accord. Et je l'ai fait, et on a bouffé... ce putain de rejetis crabe, avec 800 personnes, et c'était une de mes soirées préférées. 40 ans de carrière et encore des choses à raconter, à faire, un peu folle comme ça. Quel est votre moteur principal ? C'est le fric, la peur, l'amusement, gastronomie ? Je suis où là ? J'oublie. Vous oubliez. Ce que j'ai fait avant, et comme ça je peux tout remonter. Ouais. Je crois que c'est une espèce de naïveté, un peu comme... Comment ça, le poisson dans le bocal qui oublie le poisson rouge. Ça, c'est moi. Votre prochain album s'intitule Ode. Il sort le 28 octobre. Où est-ce qu'on peut trouver de la poésie aujourd'hui à notre époque ? Wow ! Facile, question facile. Émission philosophique. Oui. Vous avez 2 heures. J'ai 2 heures. Non, je crois vraiment le... Vous avez manqué pendant ces 2 ans. On ne va pas reparler, mais cet échange qu'on monte avec des musiciennes, des musiciens sur scène, il y a un public qui écoute et on essaie de vivre la même chose dans le même endroit. Je trouve ça me nourrit. Oui. Stéphane Escher, on va continuer à parler de musique et de ce qui vous anime. Mais juste avant, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutta. Stéphane Escher, c'est avant tout un Suisse-Allemand qui a compris il y a longtemps que le français, c'est quand même plus joli. Il est né il y a 62 ans, dans cette commune bernoise, où il faut bien serrer les lettres pour que ça rentre sur le panneau. Sa mère est alsacienne, son père est yéniche. Et la première fois que Stéphane Escher monte sur scène, il est encore écolier. J'étais vraiment amoureux, fou d'une fille. Et j'ai commencé vraiment à chanter pour rendre le message. Je le vois devant moi, il y a mon meilleur copain qui commence doucement à mettre, parce que c'est très romantique ce qui se passe, le bras autour. Je continue à chanter encore plus émotionnellement et commence à l'embrasser. Ils sont partis toutes seules ensemble. Tout jeune et encore célib, Stéphane Escher commence un apprentissage dans l'hôtellerie. Non merci, qui dit. Il préfère une école d'art. Il apprend la vidéo et le soir, il bidouille de la musique sur son dinosaure d'ordi. Nice boys. C'est son premier groupe de grandes personnes. Ils osent tout. Même faire de la musique avec un aspirateur. Et Noise Boys, c'était aussi des paroles ralafouf. Et puis il rejoint Grauzonet, le groupe de son frère Martin. Il a même pas 20 ans et il rêve d'être un ours polaire en chantant Eisbär. Et là, d'un coup sec, la TSR fait tomber la fame sur Stéphane Escher. On va retrouver donc Stéphane Escher maintenant, la grande révélation de cette année 1986. Grâce surtout à cette chanson pop qui plaît beaucoup. Il a des muscles, des poils. C'est le Suisse le plus célèbre en ce moment en France, et d'ailleurs pas seulement en France, et c'est quelqu'un de génial. La France, ça fait longtemps qu'il se l'est mise dans la poche. Son nom accroché à l'Olympia il y a 30 ans déjà. Et depuis, Antoine Decaune est resté conquis. Stéphane Escher, il aime les lacs, il aime la flotte, mais pas sur la moustache. Son kiff ? Les vieux instruments qu'on sait même pas si on doit souffler dedans. Un pince sans rire, mystérieux, quasiment ténébreux. Il fait toujours chavirer les cœurs, même s'ils ont des pacemakers. Il est tellement sympa ! Bosser avec lui, c'est un plaisir, il paraît. Mais c'est moi qui dis moteur et tu tournes pas avant. Putain. Mais ça l'a pas empêché de trouver des technards motivés pour enregistrer son 17e album qui sort dans un mois. Stéphane Escher. À 20 ans, vous rêviez d'être un ours polaire. Aujourd'hui, vous regardez l'Aletsch fondre depuis le rocher. Est-ce qu'à 62 balais, vous avez toujours peur que votre carrière finisse comme ce glacier ? Alors, oui, c'est une... 40 ans de carrière, hein, c'est... Est-ce que vous rêvez toujours d'être un ours polaire ?
Non, là, c'est trop chaud, là. Il fait trop chaud. Trop chaud. Un fish stick dans le frigidaire. On congèle. Stéphane Escher, je vous présente Brice Brunschwig. Bonsoir. Homme d'affaires Zurich. Salut. Qui est à la tête du label BB Records. Oui, et je dois dire, je suis un grand fan de Vincent Bolloré. Je suis très admiratif de la ligne qu'il a insufflée dans le music business actuel. Vincent Bolloré, qui est ce milliardaire breton, hein, qui est aussi actif dans l'industrie musicale. Magnifique personnage. Ouais, vous l'admirez aussi? Oui, oui. Non? Pourquoi? On a une histoire, moi, lui, espace, avec un petit pot de vaseline. Mais c'est trop tôt dans la soirée de vous c'est raconter trop tôt, oui. ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas le carré rouge. Vous depuis... aussi. Ouais, ça arrive, en effet, j'imagine, à pas mal de monde. Depuis le temps que vous êtes dans ce métier... J'aime bien les partouzes. Ouais, vous en connaissez tous les mécanismes, mais vous aimez bien les mécanismes aussi, les faire un peu grincer, des fois, Stéphane Escher. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis vos débuts et qu'est-ce qui n'a pas changé du tout? Le siècle passé, donc. Non, il y a un grand truc, c'est que... Comment je peux le dire? Avant, on pouvait vendre quelque chose, des cassettes pour les très vieux, des CD pour les moyens, et du vinyle pour les jeunes, parce que c'est à la mode. Oui, ça revient, ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, des mecs comme lui, ils vous louent le robinet, et ils nous disent que c'est l'eau et pas important. C'est ça. Ça, ils ne payent pas. Ils payent son propre robinet. Oui, c'est juste. Avec Monsieur Bolero. Ou quel conseil vous donnez qu'est-ce qui n'a pas changé du tout? Peut-être quelque chose qui n'a pas changé du tout? Ah, ce genre de personnage aussi. Oui, on est toujours là, on a trouvé des nouvelles méthodes pour palper l'argent, ouais, c'est clair. Il y a moins de fric, mais on garde la même chose. Ça veut dire s'il y a moins de fric, nous, on veut toujours la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu moins pour l'artiste. Ouais. Comme ça, hein. Mais quel conseil vous donniez quand même? Parce que là, c'est pour des conseils d'espoir, peut-être, pour des jeunes qui, aujourd'hui... Non, désespoir. Désespoir. Donc, de bien lire leur contrat, déjà, relire leur contrat. Non, prendre son boulot. Non, je ne sais pas. Il faut pouvoir lire le contrat sur la tête. Si quelqu'un a vraiment des problèmes, j'ai une petite équipe qui peut faire ça pour vous. C'est pas une blague. Elle est où ma caméra? Oui, il y a à Lausanne une équipe qui est là, qui lit vos contrats si vous avez des problèmes. Contactez qui? Lui. Voilà, on peut aider. Il ne faut pas lire les contrats exprès qui sont très très longs pour pas qu'ils soient lus, comme ça ils sont déprimés. Ils voient 38 pages, ils disent ouais, non, mais je signe, c'est bon. Et puis après, ils ont. Je fais confiance. Je fais confiance, il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Et confiance. On vit dans une époque quand même où c'est vrai, on passe d'un artiste à l'autre, comme d'une série à l'autre sur nos plateformes de streaming. C'est super. Qu'est-ce qu'il faut. mais qu'est-ce qu'il faut quand même pour durer Savoir se réinventer, c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est que... Je sais rien, moi. Ça oui, moi, j'essaie ça. J'essaie de... Je sais pas, c'est... D'être à la page Non, pas du tout. J'essaie de me surprendre, moi. Parce que je me dis, si je me surprends, moi, je surprends mon équipe, je surprends peut-être le public. Oui, j'ai quand même le meilleur boulot du monde, même si des mecs comme lui, ils me... mais c'est quand même que de vous rencontrer... Il arrive, il éteint normalement leur téléphone, il vous donne une attention de 1h30. Qui fait ça encore aujourd'hui? Et un peu d'argent avec. Mais j'ai vu aussi que vous faisiez quand même des Facebook Live pendant la pandémie. J'ai vu que vous étiez sur Instagram. J'ai vu Instagram, TikTok aussi, j'ai vu. Là, par contre, vous avez 24 fans. Oui. Vous avez un community manager. C'est moi. Ah oui. Et 24, je trouve... Il y a deux de plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Wouh! Mais il faut dire que vous faites aussi des choses beaucoup plus concrètes. Vos tournées sont à chaque fois des aventures uniques. On vous a vu avec des automates, des rejetis, c'était encore autre chose. Mais une fanfare, un radeau l'année dernière, pour ne citer que ces exemples. Comment vous faites pour convaincre les gens qui vous aident à réaliser ces idées un peu? Les gens qui vous aident. Baratinage. Il faut pouvoir mentir sans que le nez grandit. Il faut raconter n'importe quoi et puis dire ouais, ça va être génial. Mais si ce genre de personne. Pas lui. Non, mais si. Il y a des gens qui vous aident, mais qui vous aident financièrement. Ça veut dire ces projets ne sont pas. C'est des coups de main. C'est rentables. Non, vous gardez vos 80, vous vous souvenez, oui. Vous me donnez les 20 et avec ça, je fais des spectacles spectaculaires. Mmh. Voilà, c'est et ça. Comment vous faites? Je paratine. Et ça marche. Waouh. Ouais. Vous se méfiez des Suisses allemands. Hein. Oui. Mais pourquoi vous compliquez la vie? Faire monter un radeau à fin de notre de Zermatt, c'est tellement. C'est absurde. Quel but? Ça coûte plus que ça rapporte. Je comprends plus.
C'est ça notre différence. Mm-hmm. Moi, si ça fait sens, je ne le touche pas. Moi, si on m'a quelqu'un qui a dit « ce projet ne fait pas de sens », j'ai dit « Intéressant. Mais monsieur, vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs de musique, ils sont comme dans un supermarché global. Il faut leur proposer un produit d'appel. Hein. Ça veut dire quelque chose qu'ils peuvent consommer sans se prendre la tête. Le stylo, il faut que je note là. Pardon, encore. Je vous conseille, notez. Faites des remixes de Déjeuner en paix. Après, vous les jouez 12 fois de suite sur scène, live, avec juste une guitare et puis un backing band enregistré. Et puis les gens, ils seront tout contents. C'est une proposition que j'ai reçue récemment de mon label français. Alors, voyez. Ils sont intelligents en France, on croyait non, mais oui. Et voilà. François Thomas. Hein? Vous sortez votre 17e album fin octobre. Rapidement, ça sert à quoi de faire encore des albums en 2022? Je sais pas faire autre chose. C'est vraiment tout. Ça fait aucun sens. Ouais, mais personne n'écoute les albums en entier. Maintenant, c'est les singles qui comptent. C'est ça qui passe sur le streaming. C'est là qu'on fait les clips. C'est là que les chansons. Je ne sais pas faire quoi d'autre. Vous savez. Je ne sais pas faire autre chose. Ce n'est pas une bonne excuse. Moi, je connais quelqu'un qui disait « Moi, je ne sais pas faire autre chose que gérer un vidéoclub. » Il a quand même dû arrêter. Hein. Il est où? Maintenant, vous n'avez pas de nouvelles de lui? Non, il est au cimetière. Vous sortez votre 17e album fin octobre, donc je vous ai posé cette question-là. En effet, les singles. Non, c'est vrai, parce qu'on parle de singles. Pour vous, c'est plutôt les singles qui sont intéressants. C'est que les singles, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Ouais. Un single comme le vôtre, qui était le premier, votre grand succès de Jeune Opé, quelle est votre relation aujourd'hui avec ce titre? C'est le seul que je connais. Vous en avez marre de le jouer? Il y a eu un moment où j'ai cru que je suis aussi autre chose. Mm-hmm. Non. Mais aujourd'hui, non. Oui, c'est ça. Il faut accepter d'être un produit. C'est devenu une chanson qui est plus importante que mon propre personnage. Mmh. Et sur un côté, c'est quand même un petit peu le rêve de pouvoir écrire. La meilleure chanson. J'écris la moitié, l'autre moitié, c'est le génie Philippe Jean qui écrit le texte. Vous pensez que c'est la meilleure chanson, le tube ultime, Déjeuner en paix? Parce que ça pourrait être d'ailleurs un scénario de série. Comment trouver le meilleur tube, la meilleure chanson? Attendez, je commence aussi de travailler un peu le mentalisme. 8 décembre, ici, dans cette salle. Ah, c'est vrai, tiens. C'est un truc qui me traverse. La meilleure chanson de tous les temps, c'est vrai. Quelque chose. Le 8 décembre, ici, un spectacle où on parle de musique. Un super spectacle que j'ai vu. Vous avez besoin d'argent, hein? Oui. Là, j'ai besoin de gens qui vont venir partager ce spectacle. Stéphane Escher, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui vont suivre de manière un peu plus brève. Elles vous seront posées par des téléspectateurs qui vous ont laissé des messages. C'est notre séquence répondeur. Attends. Oui, bonsoir Stéphane, c'est Isabelle Moitier. Stéphane, j'ai entendu lors d'un concert que vous détestiez la natation synchronisée. Alors étant moi-même directrice de l'association Aquastar à Saint-Pré, je dois vous dire que j'ai été très blessée par ces propos qui méritent, je trouve, des explications. Et une photo dédicacée. On vous laisse répondre. Oui, j'ai trouvé à un moment, j'ai vu que le rôle des hommes et des femmes aussi dans le sport sont vraiment un peu trop séparés. Un footballeur qui gagne des centaines de francs, je m'imagine. Oui, en tout cas. Quand il tombe parce qu'il se met dans ses propres pieds, sur la caméra, il y a vraiment la douleur. Ça fait mal. Et les femmes, s'ils ont de la douleur, il faut les maquiller, mettre les cheveux derrière, et puis ils sourient comme ça. Et j'ai trouvé ça un peu faux cul, je trouve. Mais je le dis, hein, et mesdames, messieurs, il y a un scoop. J'ai écrit une musique pour l'équipe nationale, je ne pense pas, mais pour une équipe. Il ne faut pas leur dire, j'ai seulement écrit la musique pour le spectacle quand ils sont hors d'eau, parce que sous l'eau, ils n'entendent rien. Je suis un peu radin. Je n'ai pas fait de la musique. Bonne réponse, oui, très bonne réponse. Deuxième bonsoir, message. Bonsoir, Béat Faust, VV. Monsieur Eicher, ça fait 20 années que j'habite en Suisse romande et ça fait 20 années que tout le monde se fout de ma gueule à cause de mon accent de Bourbine. Et vous? Da muss man einfach drüber wegschauen. Das ist nicht so schlimm, das passiert. Und dann vergeht es wieder. Eben. Dernier Message. Oui, bonsoir, c'est Madame Berusset, Jacqueline Sainte-Croix. Non, mais sérieusement, Monsieur Eicher, c'est quoi cette moustache? Vous vous prenez pour Dali? Vous mettez du gel dedans? Oui. Vous la venez?
Oui. Vous essayez de nous dire quoi avec cette pilosité visagère, monsieur Eicher? Je vous laisse répondre. Chez moi, c'est un hommage à mon grand-père. Ah oui. Qui portait vous savez, donc, mon père aussi. C'est donc voulu. Oui, oui, c'est voulu. Vous devriez être mieux entouré, je pense. C'est vrai que le mini-bop comme ça, un petit quai de métro, c'est super. C'est une recherche avec algorithme, le meilleur look pour ouais. faire le booker promoter sur Internet. C'est cette gueule-là. Merci beaucoup, c'était la séquence répondeur. On peut l'applaudir, il a très très bien. Très très bien géré. Et on arrive gentiment au terme de cette émission, messieurs, merci. Monsieur Brunschwig, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de succès, plein de cash. Plein de succès, non, mais ça continue, que ça continue comme ça, mais que ça se calme un petit peu parce que je ne sais plus où mettre le fric. Stéphane Eicher, je rappelle que votre prochain album sort le 28 octobre. Est-ce qu'une tournée est prévue après? Bien entendu, une grande tournée. Pour faire un peu d'argent quand même, parce qu'avec l'album, ça ne va pas rapporter grand-chose. Hein. Et c'est une tournée, et comme par magie, on jouerait ici. Vous allez jouer ici? Oui, on jouerait ici. Ouais, ouais. C'est vrai? Yes. Mais... Dans combien de temps? Pas tout de suite. On peut toujours discuter si vous voulez. C'est dans 8 mois. 8 mois? 8 mois, le 25 mai 2023. Ouais. Ouais, mais c'est dans super longtemps, quand même, ça. C'est un peu long, non? Il va falloir attendre trop longtemps, ouais. Ouais. Peut-être. Il faut que je teste vite la salle. Bah, je sais pas, on pourrait, non? Ça vous... Alors, volontiers. Mais nous, malheureusement, le temps file. Il va falloir qu'on vous laisse ici. Désolé pour les téléspectateurs, fallait vous inscrire pour venir à Beaulieu. Mais sortez, continuez à écouter de la vraie musique en vrai. Ce soir d'ailleurs et demain encore, c'est le festival Label Suisse à Lausanne. Nous on se retrouve le samedi 1er octobre. Et d'ici là, gros bec, merci beaucoup tout le monde. De Messie comme un rempart, le plaisir facile, les amants de soir, meurent de l'ombre et subtil en le nœud de foulard. Combien de temps, combien de temps, si on reste face à face sans un monde, sans une langue qui efface. Combien de temps, combien de temps, et je bois, et je suis sous le toit.